Alors, pour ceux qui voient cette vidéo, très probablement vous avez déjà regardé la série sur la marche respiratoire. Et ici, donc je suis en train d'ascensionner le mont Snieżka, qui est la plus haute montagne de Pologne, à la frontière tchèque. Pas très haute, un peu moins de 1700 mètres. C'est pas la plus grande. C'est la plus haute? Non, on est à 4 parts, c'est la plus haute. Ah, écoute, tu vois, ils se sont plantés sur. Sur le truc, mais en tout cas, voilà, il fait froid, il y a de la neige partout, température à peu près moins 10, moins 15. Et alors pourquoi finalement, j'en viens au fait, pourquoi marcher et respirer en même temps? C'est la clé en fait, c'est une des clés d'accès à la régulation de votre système nerveux et du système hormonal. Quand on est en situation de stress, comme là je suis, si je perds le focus, les peurs et les pensées commencent à prendre le dessus et tout le système hormonal en fait se dérègle avec des montées d'adrénaline et puis un début de tremblement. Le fait de caler sa respiration sur les pas, donc ce que sur quoi on s'entraîne en système A ou dans les enseignements que je vous propose, donc synchroniser les pas et la respiration, ça permet en fait, un, d'installer un focus externe, donc on calme en fait le flux des pensées, les peurs montent moins dans les parties du cerveau qui sont liées à la survie, et surtout on calme cette sur réflexe naturel qui a tendance à nous faire hyperventiler et à générer des montées d'adrénaline qu'on subit. Donc avec tout ça, vous devenez pilote en fait de votre système neuro, immuno, endocrinien. Voilà, c'est des choses qu'on va expérimenter. Bah quand vous viendrez en fait en formation avec moi dans la nature. À bientôt.